Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Union Sorbonne. Cette vidéo va vous surprendre. Depuis, je suis en train de prêcher et il parle de la place de l'argent dans sa vie. Hein? Il va dire que si ça tenait qu'en lui, entre l'argent et faire des miracles pour aider les gens, il choisirait faire des miracles toujours pour aider les gens, même sans rien prendre en retour. Sans rien répondre. Parce que c'est ce qui est la source de sa joie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quand nous allons entendre ce monsieur-là, vous allez être surpris. Un monsieur qui nous dit que parfois il paye, il fait beaucoup de dons, même 99% des dons d'une organisation d'aide à l'humanité. C'est lui qui est là-bas en train de faire les dons à 99%. Vous voyez? Il va nous parler ici. Et c'est en anglais. J'essaierai de faire la traduction. Vous pouvez également nous aider, ok, en commentaire pour nous aider dans la compréhension de cette affaire. Mais c'est quand même touchant. Écoutons ça. Share with you. All this crusade you see me doing all over the world, Singapore, Indonesia, those big country, I pay 99% of the money. Il dit qu'il paye 99% de l'argent de cette organisation qu'il vient de citer. When we are invited to crusade in America, in Singapore, I'll say, how much is the stadium? Il dit que quand il était invité à Singapour, il a dit combien se coûte ce stade-là? If the stadium is $100,000, Si ce stade est 100 000 dollars, I'll say, do you have any area you want to support? They say, no, we are going to rent it. No, you can't rent it for me. For reason known to me, we don't control the Holy Spirit. Let me pray for whom God wants me to pray for. Don't pay and start bringing your brother for prayer, your sister for prayer, your cousin for prayer, your businessman for prayer. Il dit aux gens, non, laissez-moi juste payer, mais vous envoyez vos frères pour la prière, envoyez vos soeurs pour la prière et autres. Jean, il dit que ouais, il a beaucoup contribué, il contribue beaucoup, il montre un peu ce qu'il fait en secret. If you pay for the stadium for me and you invite me to for crusade, you collect money from those big businessmen that are sick, and they are the one you arrange in front for prayer. And you will now be telling me, pray for this person. Don't pray for this one. Pray for this one. Don't pray for this one. This one, pray for him. Pray for this one. Pray for this one. You have not prayed for this one, man of God. He's the one that pays 70% of the money. Oui, en accord, il dit, il parle de ce qui se passe souvent. Oui. Lorsque à l'église même, on donne la considération à ceux qui payent le plus. Par exemple, on doit prier et puis quelqu'un vient. La personne dit, écoute pasteur, écoute homme de Dieu, prie pour cette personne, prie pour cette personne, prie pour cette personne-ci, prie pour cette personne. Parce que cette personne, hey, c'est pas homme de Dieu, cette personne qu'elle a là, elle a payé juste 70% de l'argent. Donc, prie pour elle, prie pour elle, hein, faut prier pour elle. Hey! Est-ce que vous en rendez compte? God cannot cooperate or support such arrangement. Et Dieu ne peut pas être en accord avec de tels arrangements. Oh, you are telling me I should come out 8 a.m. where the Spirit of God says you come out 10 a.m. and you announce that you come at 8 a.m. My accommodation, I don't let them know where I'm going to lodge. After the crusade, you can know where I'm living, but before, during the crusade, I will not allow you to come to me. You organizer, you cannot see me until after the crusade. The last day of the crusade, I will call them and say, follow me home. I'm sorry for not showing me where I'm living. Là, il parle un peu de ce qui se passe souvent. Lorsque on lui dit, par exemple, écoute, viens à 8 heures.
Lui dit que, ah, mais si le Saint-Esprit lui dit, par exemple, de venir à 10 h là-bas pour la croisade, par exemple, il ne peut pas venir à 8 h parce que le Saint-Esprit lui a demandé de venir à 10 h. Donc, si ça se passe ainsi, lui, pour faire ça, mais il y a eu tout là-bas pour la prière. I will enter your country with money and I will go out of the country and I will not take your money out of the country. It's a rule and regulation, because the grace is not for sale. Il dit que la grâce n'est pas à vendre. My joy is to see people here. My joy is to see people blessed. Amen. My joy is to see people delivered. Il dit que la grâce n'est pas à vendre. Et que lui, sa joie, c'est de voir les gens être bénis. C'est de voir les gens qui étaient malades être guéris. That is my money. Parce que ça, c'est son argent. Ça, c'est son argent. Each person that is delivered is more than $20,000. Ok, imagine a niche crusade. Il dit que quand quelqu'un reçoit de tels miracles, c'est plus que 20 000 dollars. C'est almost 500 people delivered. 500 times $20,000. That is the money God gave me. $20,000 times 500, you know, it's a huge money. Which is more than this money you are talking about. The joy to sleep, joy. You need to know what it means if God used you to heal people. Il dit que vous devez vraiment, vous devez vraiment connaître la joie qu'on reçoit lorsque Dieu vous utilise pour guérir les gens, pour faire les miracles aux gens, pour faire les trucs pareils. C'est plus que de l'argent. Il dit que c'est plus que de l'argent. If you know what it means, if God used you to deliver people, you will want to be deliver people all the time. Il dit que si vous découvrez la sensation qu'on ressent lorsque Dieu vous utilise pour délivrer les gens, vraiment vous délivrerez les gens tout le temps. Et les gens disent et Amen. If you know what it means, the joy in using you to deliver people, you will never ask the people you deliver to bring cover or money, anything. Even when they give you, you beg them, please, don't destroy my life. Il dit que oh, même si les gens pour qui vous avez prié ou que Dieu vous a utilisé, vous avez prié, vous avez fait le miracle, essaient de vous donner de l'argent, après gens même pour vous remercier, vous leur direz non, 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 écoutez, non, ne me donnez rien, non, ne me donnez rien, non, non, ne me donnez rien. If you know what it is, brother, stand up. You are from where? Zambia. Zambia. Il a posé une question à un homme dans la salle. Il dit, mon frère, toi, tu viens d'où? Il dit, je viens des zombies. If you know what it is to set you free, you are here with the situation now. From Zambia, you are here with the situation. If you know what it is to set you free from your problem, it's more than $1 trillion only you. Amen. So, if you know what it is to set people free, you will never, even the person, after set you free, don't wait for the person to greet you, thank you. It's thank you, you don't need it. This is why, after praying for you, I leave you. I don't want you to say thank you, sir. Il dit que vraiment, vraiment, ce qu'on ressent lorsque on prie pour quelqu'un, la personne est délivrée là, c'est plus que 3 milliards. Oui. Et il dit que même quand ça se passe ainsi et que Dieu vous étudie pour prier pour la personne est délivrée, là, oh, vous quittez la vous quittez la même temps, vous faites tout pour que les gens, la personne ne sache pas exactement qui vous êtes. Un peu comme Jésus qui a délivré quelqu'un et il a dit à cette personne de ne pas dire tout ce qui s'est passé à qui que ce soit. De garder cela en secret, quoi. Waouh, c'est quand même étonnant. I don't want that because God has given me something more than thank you, sir. Et il dit qu'il n'a pas besoin d'un remerciement parce que Dieu lui a donné plus que cela. Merci, monsieur. And I don't want anything to affect that thank you, sir. Il dit je ne veux rien qui va affecter ce merci. Vous voyez, non?
Voilà. Parce que souvent, là, quand vous priez pour quelqu'un, que la personne vous donne de l'argent, c'est comme si le miracle venait d'être acheté. Alors qu'en clair, ça ne peut pas être acheté, vous voyez. If God used to remove the pain of one, you are more than millionaires. You people believe that your reward is money. No! If you know what it means to do something and collect money, and that money is that your gain, you are robbing yourself. Something is sufficient. And that money is what? Insufficient, cannot help you. It cannot give you peace. The money cannot give you peace. If the money can give you peace, many of you will not be here today. Il dit aux gens, si l'argent pouvait vous donner la paix, bon nombre d'entre vous ne seraient pas ici aujourd'hui. That is why you just see me at a Kotoegbe. Since I started, this is just a Kotoegbe branch. From the one of the big secrets of me, I want to share with you. All this crusade you see me doing all over the world, Singapore, Indonesia, those big country, I pay 99% of the money. Il dit que je vais vous donner l'un de mes plus grands secrets. C'est-à-dire quelque chose qu'il n'a pas dit à personne. Il n'a pas dit à personne. Il dit que toutes ces organisations qu'il vient de citer là, que vous avez l'habitude de voir à Singapour, à Indonésie et tout ça là, il dit qu'il paye 99% de l'argent qui sert à faire tout ça. Et les gens sont sous le choc. Tiens, genre, il utilise une bonne partie de l'argent qu'il reçoit des dons pour aider au financement de l'œuvre de Dieu un peu partout dans le monde. When we are invited to crusade in America, in Singapore, I'll say, how much is the stadium? If the stadium is $100,000, I'll say, do you have any area you want to support? They say, no, we are going to rent it. No, you can't rent it from there. For reason known to me, we don't control the Holy Spirit. Let me pray for whom God want me to pray for. Don't pay and start bring your brother for prayer, your sister for prayer, your cousin for prayer, your businessman for prayer. Là, c'est un peu ce que je vous ai dit au commencement, là où on parle du stade, de 100 000 dollars. If you pay for the stadium for me and you invite me to for crusade, you collect money from those big businessmen that are sick and they Tu collectes de l'argent de ces différents hommes d'affaires qui sont malades. are the one you arrange in front for prayer. And you will now be telling me, pray for this person. Et tu fais un arrangement afin qu'on puisse prier pour les gens. Et tu dis, pour cette personne. En fait, ça me rappelle un peu, tu, genre, un pasteur qui est invité quelque part, genre aux États-Unis ou bien un truc du genre. Et avant qu'il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Des gens font un arrangement. Et ils disent que, bon, ok, voici le pasteur qui prie que les gens sont guéris, va venir. Vous, les hommes riches, vous devez payer afin qu'il puisse venir, vous voyez, non? Vous payez afin qu'on puisse juste payer le stade et tout ça. Donc, voilà. Et ces hommes, ils sont malades. Et c'est dans leur état là qu'ils doivent encore payer afin que tout se passe ainsi. Et quand le pasteur arrive, la personne dit au pasteur, ah, écoute-toi, prie pour cette personne, 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 à payer telle somme, telle somme, tel pourcentage pour que tout se passe ici dans ce stade. Il dit non, le Saint-Esprit ne marche pas comme ça. Personne ne peut commander le Saint-Esprit. Vous voyez, non. Vraiment, quand j'entends ça, j'ai dit waouh.
Waouh! Que devons-nous retenir de cette personne? Ou que devons-nous retenir de l'œuvre de Dieu? Serviteur de Dieu aujourd'hui. Serviteur de Dieu aujourd'hui. Mes frères et sœurs, l'argent ne fait pas tout. Je vous ai dit dans la vidéo précédente. Aujourd'hui est censé être le jour où Tibi Yeshua fête sa fête d'anniversaire. Mais malheureusement, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est décédé. Parce qu'il est parti déjà. Et ça fait une semaine que c'est le cas. Que voulez-vous que je vous dise? Mes frères et sœurs, vraiment, l'homme est si peu de choses de bon Dieu. Et tout ce que nous faisons et que nous disons, si Dieu ne valide pas cela, ça n'aura pas lieu. Vraiment, c'est triste. Que retenir de cet homme? Peut-être d'autres vidéos vont venir où je vais vous en parler un peu, nous allons découvrir tout ça. Est-ce que c'était un vrai ou un faux? Je pense qu'à ce niveau de la compétition, nous devons nous intéresser aussi à nous-mêmes. C'est très important. Mais n'oubliez pas, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir Dieu pour modèle. Lui seul est l'homme parfait. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Abonnez-vous, c'est pas abonné, abonnez-vous. Laissez les gens pour vous montrer que vous nous suivez, que vous serez prêts pour la prochaine vidéo aussi. Et c'est parti.